qu'est-ce qu'on est bien ici sur les étoiles d'Épicure, enfin sur les épicuriales, avec donc aussi sur ces épicuriales des exposants qui vont vous faire goûter des cuisines du monde, et notamment du Brésil. Et le Brésil, c'est vraiment d'actualité, bien sûr. Je ne vous en dirai pas plus, la Coupe du Monde, bien entendu. Et nous avons sur notre plateau Jao et Jair. Merci d'être venu sur notre plateau de Bordeaux TV. Vous représentez Merci. Le restaurant Terrado Samba. C'est ça. Comment ça va? Ça va tous très les deux. Bien. Ça va très bien. C'est un concept qui marche très bien à Bordeaux. Ouais. Hein. Alors donc vous êtes sur les épicuriales pour au moins la quatrième année ici. Ça fait déjà un moment. Ça fait 4 ans qu'on les fait maintenant. C'est la première année pour vous, mais ça fait 4 ans que le restaurant est sur le site. Ça fait 4 ans, ouais. Voilà. Et puis surtout cette année, c'est l'année du Brésil, donc fallait pas louper les épicuriales. Hein. Vous êtes originaire d'où, Brésil? De Porto Alegre. Le Rio Grande do Sul du Brésil, côté Uruguay, Argentine. C'est quoi la terre du barbecue? Ah, c'est la spécialité, c'est voilà, ça c'est... Eh bien justement, on va en découvrir, on va profiter pour en parler. Voilà, donc vous nous avez apporté un exemple de ce que vous faites dans ce restaurant. Jair, est-ce que tu peux nous en parler plus dans le détail un peu? Oui, tout donc ça. En fait, le concept brésilien, on appelle ça la churrascaria. Ce sont des plats à base de viande et de poisson qui sont grillés à la broche. D'accord. Et tranchés directement dans vos assiettes. D'accord. C'est ça le concept un petit peu brésilien. Mmh. Après, on va retrouver des viandes essentiellement. Ça va être du carré de porc aux herbes, comme ici. Il va y avoir aussi du gigot d'agneau, du rhum steak grillé au sel de Guérande. On appelle ça la picanha. Mmh. Alors ça, c'est la grande spécialité du Brésil. Et avec ses accompagnements, c'est-à-dire on mange du riz à l'ail. On va avoir aussi la feijoada. Alors la feijoada, ce sont des haricots noirs à la brésilienne, cuits avec du lard, de la saucisse, des petites salades. Et, bref, voilà. On se régale là-bas. On se régale très bien. Ouais. D'accord. On aime la viande grillée, c'est le barbecue. On va dire. Voilà. D'accord. Et votre rôle à tous les deux au niveau du restaurant? Bah, moi, mon rôle, moi, je m'en occupe de la viande. C'est, c'est moi qui prépare la viande en particulier, le carré des porcs, la picanha. C'est moi qui m'occupe de la viande. D'accord. C'est le spécialiste, ça vient voilà, de ton pays. C'est moi le spécialiste, ça vient on va de ta dire. Région. C'est super, en tout cas, de vous avoir ici sur notre plateau. Je vais goûter une frite comme ça. Vous venez de la part de Bordeaux TV. Là-bas, à Terrado Samba, vous serez très très bien accueillis, bien sûr. Bien sûr. Hein. Et merci d'être venu sur notre plateau et on vous dit à très très bientôt ici sur les Épicuriales. C'est l'année du Brésil, on est là pour vous.